Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode multi sur Europa Universalis 4 avec Slan, Brudaf et Ardarin. Salut les gars. Salut. Coucou. J'espère que ça va bien aujourd'hui. Ouais, ça va super. Et ah oui. Ça va. J'ai fini ma petite campagne à l'ouest contre les hérétiques, maintenant on va aller taper du païen à l'est. Il n'y a plus aucun hérétique dans l'Empire, c'est vrai? Il en reste, mais j'ai des trêves avec pas mal d'entre eux. Ouais. Ça, puis bon, le pays, bah... j'ai un petit peu d'expansion agressive. Oui, bon, ça... on. Genre on... 207 avec la Suisse, on sait quand même que... Constance, voilà, enfin, on sait que ça se gère, quoi. C'est... Oui. Enfin, de toute façon, en Europe, il n'y a personne qui fera de coalition contre moi, vu qu'on vient de les éclater globalement, là, hein, ouais. Tous. Oui, non, mais ça, oui, on est d'accord que... Oui. Bon. Toi... Oh, j'avais pas vu que je pouvais aller faire des états on ici complète. Aussi. On va faire une armée. On va taper un peu là, du coup. Oh, plus de 20 en traduction terrestre. Alors, je suis à combien? Est-ce que c'est utile? Bon. Je suis à 94. Bon. Du coup, les états ça de Verdun. C'est bizarre de c'est voir bon. Venise sans Koa. Toi. Bah ouais. Viens ici. Ils veulent plus. Et puis alors là, vu ce que je suis en train de mettre à Kilwa, lui, il est pas prêt de revenir dans ta Koa. 120. Non, mais je crois que surtout que la Koa, elle est pas prête de revenir tout court. Hein. Mais effectivement, il va falloir que je crée des troupes parce que là j'ai 200 000 hommes qui attendent. Et ça va, peu. C'est correct. Ouais, moi je suis monté à 170, c'est pas trop mal. Toc. J'ai 200 000 dans la manpower en fait qui attendent avant de. Ok, là c'est parti. Et notre mec il est revenu ici, il faut qu'on le renvoie. Hop, suite au petit misclic de fin d'épisode. Ah, tu as misclic? Ouais, j'ai misclic en rappelant à Colomb de l'envoyer. Parce que j'écoutais ton outro en même temps et totalement bluffé par tant de qualité. Clic m'a échappé. Slurp, 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 slurp. Exactement. C'est important de faire les choses bien. Ah oui, oui, oui. D'entrer dans les détails. Exactement. Ah, oh, c'est dégueu. Et encore, t'as rien vu. Qu'est-ce que t'as fait, détail? Tu n'as qu'entendu. Tout à fait, mon cher Anastasia. Sympathie pour les séparatistes. Mais ben moi aussi, j'ai de la sympathie pour tous ces séparatistes. Pourquoi le séparatiste à 30 000, il se fait défoncer par une troupe à 7 000? Ça n'a pas de sens. Hein. Parce que la troupe de 7 000, elle est vraiment trop douée. Ils les ont pris dans un petit col, ils étaient tout en bas, au niveau de la rivière, ils se sont fait attaquer des deux côtés par le dessus, et paf, c'est la débandade. Comme c'est précis. Ouais, ouais. Ah, grand stratège. Je crois que c'est une troupe que j'ai envoyée il y a 2 ans et qui a fini par arriver, sinon. Bon, allez, hein, j'ai attaqué la Transoxiane, l'Afghanistan avec elle. Ah, il y a quand même plus, hein. Ouais, il est pauvre ce nœud, en fait. Maintenant qu'il n'y a plus personne allié. Ouais, maintenant que t'as fait le taf, je me dis, c'est bon, hein, on peut y aller. Hop, l'Afghanistan avec. Allez, l'Afghanistan. Allez, il y a 1000 hommes, je te préviens. Il rigole plus. Le droit de passage, Gujarat, je refuse. Maloua, je refuse. Au niveau des bateaux. Je refuse. Tout droit de passage, moi, ouais, maintenant, c'est terminé, chez moi, on ne passe plus. On peut quand même se permettre d'en refaire une. Vous ne passerez pas. Faudrait que tu tiennes tes colonies, les signes, quand même, hein. Pourquoi? Bah, parce qu'elles veulent que je soutienne leur indépendance, alors bon... Ah bon? Mais soutiens, soutiens. Ouais, mais j'ai pas envie de faire une guerre au Nouveau Monde ou en Europe pour le moment. Pourquoi ils sont pas contents? À cause de mon mercantilisme? Ça va. Arrête de mercantiler. Ah, 800 de développement, ça commence à le faire pour des colonies, hein, mine de rien. Tu m'étonnes. La Tantoxienne, elle a quand même 40 000 hommes, 59 000. Mais tu rentres, d'où qu'elle en a autant. Alors ça me fait penser que je vais peut-être interdire le développement de mes grosses colonies, moi aussi. Elle en a autant parce que ça fait 3 fois de suite que je fais la guerre. Du coup, elle en avait beaucoup plus avant. Bon, rassurez-vous, je la massacre quand même. Ça nous inquiétait tellement. Séparatistes grecs ? Je les ai pas vus venir, eux. Ok.
Non, c'est juste des légitimités. La Grèce obtient la légitimité, colonie d'accord. Colonie de couronne, et ça c'est quoi? Colonie autonome. L'Afghanistan veut un accès. Non. C'est le moment de lui dire d'aller se faire voir. Ah. Donc il nous manque à nouveau plein de points. On est à nouveau à 110%. Et est-ce qu'on va attaquer le John pour maintenant? Ça serait dégueu. Ça entraînerait Gujarat, Multan et Awa. Ava. Qui c'est Ava? Oh, c'est loin Ava. Oh là là. Je vais cocher le Portugal. Ouais, je suis pas prêt de venir t'aider hein. Mais si, c'est Ava. J'ai pas de troupe là-bas. Il a pas dit qu'il te cochait pour que tu viennes hein. Il te coche peut-être dans la guerre en face hein. Ça peut. J'ai pas de casse-belli contre la Hongrie et Nitra non plus. Il va falloir que je m'en fasse. Ah, c'est foutu conseiller qui arrête pas de crever. Pourquoi je gagne pas de points de mine? 15, y'a pas moyen d'augmenter ça? J'ai plus de casus belli contre le Congo, fait chier. Pourquoi je suis limité à 15? Ah, j'ai une politique qui dépasse. Ouais, oh. Ah, oh, celle-là, je peux la virer. Voilà. Ça, on passe à 16. C'est déjà mieux. Bon. Jaune pour Multan, où on va de l'autre côté. On va attaquer Milan, tout ça. On va mettre dans la Coa tous les... Ça n'existe plus, les pays européens. Bon, il reste l'Autriche, la Hongrie, Nitra, la Suisse, Milan, la Toscane. Voilà, ça devrait être donc, si j'attaque la Toscane, personne ne vient. Bah, j'y vais. Le normal, elle a plus d'alliés. Mais j'y vais. Elle a plus d'alliés. Je les ai tellement défoncés, les mecs en Europe, avec le signe. C'était le but. Oui. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et tu noteras que tu as été récompensé d'une manière qui était beaucoup plus qu'honorable comparée à toutes les fois d'avant. Tu lui as envoyé de la thune? Non, je lui ai donné les territoires. Il m'a donné Thuringe comme vassal, tu te souviens? Oh, je pourrais faire le bâtiment qui sert à rien dans les compagnies commerciales. Je t'ai aussi filé tout Münster et le petit truc qui était juste à côté, à savoir Ravensberg. 7000 pour l'institution? Bah, il exagère. Hein. Non, je paye pas. Hein. Moi, elle n'est pas encore développée dans une seule de mes provinces. Alors moi, je pourrais la prendre pour 6000 et quelques, mais c'est un peu cher. Tu m'étonnes. Fais comme moi, tu boycottes. Bon, bah, de toute façon, en technologie, j'ai 95% d'avance. Je suis un peu large. Comme tout le monde, comme tout le monde. Et je pense que là, je vais être encore plus large d'ici pas très longtemps. Merde, comment je vais faire? Ah oui, on peut. Je peux pas dépenser mes points militaires. Ah si, je vais pouvoir passer la Techno 21. Rigolo. Comment ça, tu peux pas les dépenser? Bah, je suis à 961, il me proposait pas de passer à Techno, mais en fait elle est à 995, donc ça va aller. Maintenant elle doit être un peu moins chère, vu qu'on vient de passer l'année. Ouais, enfin moi ça fait quand même 200% d'avancement, enfin plus 200% en militaire. Terrible. C'est beaucoup. Terrible, terrible. Je me demande si c'est pas un peu gâché tout ça. Oh, on peut virer ça. Liberté de la presse. Plus deux d'agitation. Temps d'agitation des uniformes en Venise. Ça y est, tu te mets à l'entraînement? Non. J'ai juste passé la Tech 21. Ah. T'es plus un rival valable, mon pauvre, je suis désolé. Ah monsieur, quoi. Aïe, aïe, aïe. Non, non, tu n'es plus valable. Oh, c'est joli. Je fais 1111 de revenus mensuels, enfin de soldes. C'est trop beau. Poum, 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 poum.
J'ai pas assez de points militaires pour faire péter le château. Ah voilà. Bah, c'est ça, de les dépenser n'importe comment. Non, j'ai pas assez de canons, en fait, c'est des... Oh tiens, si je me faisais des armées... Il faudrait faire un modèle d'armée. Alors on va faire un modèle d'armée, on va mettre... T'as un canons, beau développement, Venise, quand même. Hein. 10 cavaleries... On va mettre que 20 canons. Ouais, on va faire ça. Non, bah on va l'appeler modèle. Voilà, modèle. Oui, c'est classique, efficace. Comme armée. Alors, ça, c'est des armées à combien? 50 000. On va faire 3. Et ici, on est en train de renforcer aussi, ça le fait. Voilà. Oui, moins 1 d'innovation ou plus 1 d'innovation et perte de prestige. Bah oui, je veux bien. Putain, j'ai des troupes avec des drapeaux. Alors, Mitra. Ok, une revendication. Alors ici, ça a grandi. Ici, on n'a pas ce qu'il faut. Là, d'arriver. Hop. Ça vient de se rebeller quelque part. Mais c'est pas facile de savoir où. Ah, les rebelotes, comme ils disent dans le milieu. Quand ils rebellent. C'est ça. Ils ont bêlé une fois, ils rebellent à nouveau. Okay. Vous êtes chaud là. Ah ouais, je suis chaud. Je viens de passer à combien là du coup? Les hommes de l'humour combien, pareil, ça, là c'est tombé, 500 000 hommes. Bien 500 000 hommes. On va voir ça encore un peu. Voilà, ça va nous rééquilibrer un peu là. 500 000 hommes c'est bien, mais au final, c'est on pourrait se laisser surprendre. Le mieux ça serait d'avoir ça, mais sur chaque front. 500 000 hommes. Armée nationale de Venise. 512 000 hommes, limite des forces 409. Ah, pas mal. Par contre, les réserves, ouais, on sent que tu t'appuies sur les mercenaires. En même temps, les réserves, elles montent parce que, comme tout le monde, hein, je fais mes 3000 par mois. Ouais, bah, t'as quand même. 2500 mois par mois. T'as quand même de la belle armée en propre, hein. Ah, je viens juste de le faire là à l'instant, je viens de lancer 150 000 hommes. Ils sont même pas encore chauds, ils ont même pas récupéré leur morale là pour l'instant. Par curiosité, tu payes combien de surcoût d'entretien d'armée? Bah pas si cher, 211. 294 pour les mercenaires et 52 pour mon armée. Ouais, c'est ça pas fait une dépense de 569 et je dépense 200 pour les forteresses par mois. C'est pas tant que ça, en effet. C'est comme tu peux le voir, il y a des forteresses partout. Partout sur mes frontières. Bah, je peux pas vraiment le voir. Non, bah non, tu peux pas. Ah si, en fait, on peut voir un peu. On peut le voir parce que quand ça dézoome, ça fait des jolies petites étoiles. On peut prendre ça. Oh, t'es fou, l'Afghanistan il était une armée que... et là il m'a dit non. T'as une armée à Sofia qui fait rien et qui bouffe de l'attrition. Qui? Toi. Elle vient d'être créée, c'est normal, laisse-la finir, elle a 49 000 hommes. Il lui manque quelqu'un. Ah non, il lui manque personne, j'attends de la finir. On s'en fout de l'attrition. Qui s'intéresse à ça? N'empêche pas de monter, hein. J'ai mis le bonhomme qui se balade tout seul là. Ah, il rejoint une autre armée à 49 000. Ah bah j'ai dû monter alors maintenant. Il doit plus être à 512. Ah, je suis à 552 maintenant. Voilà. Elle est où la Koa?
travailler là-dessus petit à petit. Et Wakoa, hein, eh, ils sont où les gros malins? Ils sont où les Koa, les Koateux? Alors, ils sont où les Koalisés? La 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 la. C'est moi les malins. C'est un petit peu prématuré en fait ça. On est où de l'argent de fond? On va aller prendre ça. Poum poum poum. Alors, hop. Des éléphants! Ah, oh, c'est bien ça, des éléphants comme événement. Ouais, je combats ma cavalerie. Tu combats ta cavalerie. Ouais, ou j'ai pas tout lu. Hein. Ok, dans le doute, on va rester à 4. C'est combien les casse-billis d'impérialisme et tout ça là? Il faut que ce soit voisin ou pas? Non, l'impérialisme, t'as pas besoin. T'as pas besoin d'être voisin pour le casse-billis d'impérialisme. Il est quand? C'est que 22, moi je dirais. Mais Brodaf il dit que non. Oh, je sais plus, mais. C'est pas le, l'expert du wiki qui le prétend. Hein. Et là, il a raison. J'ai souvent raison. Quand même. Quand personne ne te contredit. C'est la techno 23. Oh. On avait tout et de tort alors. Ouais. Mais j'étais plus près que toi de la vraie réponse. Bah, 22 et 24, excuse-moi. Bon, à qui on va pouvoir prendre la guerre? Guignol, là. Ça, c'est fait. Non mais arrête, tu fais n'importe quoi là. Ici. Voilà. Là, on va passer à... On va mettre 200 000 hommes sur le fort, avec un peu de chance, il va finir par s'user le fort. C'est-à-dire ils vont ronger les murs à la petite cuillère. Bah je sais pas. Mais tôt ou tard, ça va finir par céder. Alors, Ougnad, 50 de développement. Ouais, bah tu m'étonnes que je le finis pas, le Hongrois. Combien? 50 de développement à Ougnad. Ah, quand même. T'as les... Bah oui, c'est chiant, légitimer tout ça. Mais comme je vous comprends. Je vais relâcher la Hongrie, j'ai l'impression. Un peu même pas. Un peu point. Oh, cool. Commerce. Allez, 126 000 hommes qui attaquent le château. Tu fais un assaut à 126 000 hommes? Ouais. Tu ferais pas, toi? Bah quoi? Bah ils ont perdu? Je sais pas, j'ai pas regardé. Non, ils ont l'air d'avoir gagné. Ah, 75. Non, c'était rapport à autre chose. Ouh, ça fait plaisir. D'accord. J'ai demandé de l'or, il fallait pas.
si, c'est fini. Des petites pierres précieuses. Mais je suis con. Non. Ah mais alors je suis très con. Mais non. Ah là si, quand même un peu. Hein. Mais non. J'ai attaqué pour prendre Florence et pour faire le bâtiment à Florence. Il a pas fait pris Florence au final. J'ai pris tout sauf Florence. J'ai laissé que Florence. T'es un peu con. Je te l'accorde. T'es un génie. T'es un génie, con. Putain. Mais au moins, tu fais rire l'audience. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut jamais le contredire. Alors, Spoulette. Alors, Karabara, Gao. On retire. Les temples. Alors là, le problème. Ça va être compliqué. Saleté d'Autrichien. Bon, le français, j'apprécierais que t'ailles taper les Pays-Bas. Allez, 632 de valeur commerciale du nœud de Venise, c'est beau quand même, hein. C'est bien joué. Oh non, il a stack wipé mon mercenaire sans réserve. C'est vraiment trop dommage. Le vilain. Je vais faire ouin ouin, je vais pleurer très fort. Attends, c'est le Kilwa qui a attaqué le Congo? Ah non, c'est le Congo qui a attaqué le Kilwa, ok. Ah, t'aurais été au courant sinon peut-être. Bah je savais qu'ils étaient en guerre, mais j'avais pas regardé qui avait attaqué qui. Et puis là je vois que le Kilwa il est en train de se prendre une pile par le Congo, donc je trouvais ça un peu étonnant. C'est pas ton vassal le Congo? Non, je lui ai bouffé que les côtes. Et là je suis en train de le rattaquer. C'est vrai que t'étais allié avec lui à un moment. Les côtelettes de porc. Avec le Congo? Non. Non, 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 ça a toujours été dans l'optique de le... De lui défoncer la tronche. Après, peut-être qu'à un moment donné, je me suis allié à lui, mais c'était vraiment histoire d'eux, quoi. Histoire d'eux. Parce que je m'ennuyais un peu, quoi. Oh, un exilé scandinave. Oh, j'aurais pas dû faire le prestige. Ça, c'est très mauvais. Toc, là, on peut... Je viens de lancer un assaut avec 50 000 hommes. Sur une forteresse à 8 000. Je crois que, voilà, c'est ça, il n'y a plus d'infanterie. Y'a plus personne. Tiens. On va te mettre là et puis tu vas faire le Quoi? Nettoyage parce que j'en ai marre. Ça fait une éternité que je suis à 108% là. On peut se permettre de gagner 2 en corruption pour gagner 2 en production, y'a pas de souci. Oui, largement. Sur une seule province, hein, il parle à lui. Oui, sur une seule province, ouais. Il n'en faut pas abuser quand même. Ça me semblait quand même très bon. Hein. Ça reste quand même plutôt bon, ouais. À 2 corruptions, ça fait cher comme quand t'as un bon revenu. Dieu en corruption, ça me coûterait 2500 à enlever. Si la corruption partait pas naturellement chez moi. Ouais, ça me coûte 7, ouais. 7 fois 24 du coup. Je regarde si j'arrête complètement de le financer, ça baisse tout seul. Du coup, ça me coûte rien. Qui c'est qui gueule? Toi, t'es pas content? Marchand. Alors attends, du coup c'est chiant parce que
bien. Dernière province que j'ai prise à 30 ans, elle a été convertie. Ah, t'es sérieux? Voilà, ça fait quoi? Non, ils sont partis avant la fin. Ce qui m'emmerde encore. Colonisateur, ouais, c'est ça. Donc là. Ah, mais la France, il va falloir qu'il envoie un peu plus de troupes là, chez le Pays-Bas. Ton français, ouais, Scandinave, c'était le meilleur coup de ta gamme, mais il t'a jamais rien servi à rien. Là, il m'aide plus ou moins, mais au Congo, quoi. Congo, j'ai pas besoin de lui. Tu voulais me parler, Tonton, je crois. Non ? Ouais, tu me piques un peu trop de commerce. Hein ? S'il te plaît. Tu me piques un peu trop de commerce. Bah écoute. Moi je trouve que j'en pique pas assez, mais. Ça sent la rupture d'alliance. Va en parler à Venise, là, il y a ces 600 de puissance commerciale sur Venise. Là. J'ai pas un seul bateau dans le nord, mais je peux en envoyer si vous voulez qu'on rigole. Pas trop. Surtout que maintenant que mes bateaux vont plus me servir à rien dans le sud. Parce que t'as tout. Bah non, mais maintenant que je suis en train d'attaquer l'Europe, j'ai pas l'intention de m'arrêter. Est-ce que j'ai une revendication sur ce truc? Et c'est quoi ma mission déjà? Rivaux d'Italie du Nord. Oh, faut prendre Bologne, c'est pas vrai, je dois avoir une revendique sur Bologne. J'ai plus de réserves militaires parce que j'ai renoncé au célibat. Intéressant. Donc si j'attaque les états pontificaux, la Scandinavie et l'ordre teutonique viennent. Bah je vous conseille de refuser. Il aurait pu prévenir avant, histoire qu'on se prenne pas un malus. Bah on y va du coup. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a combien de mecs le 522? Ça fait beaucoup quand même. Oh, vous avez plus. On a plus, alors non. Peut-être de meilleure qualité, mais c'est surtout sa réserve financière hein, qui reste gênante. C'est ça, ouais. Je vous paye pour que vous quittiez la guerre. Bah, de toute façon, moi j'attends toujours mon 70 000. Hein. Pardon. Oui. Bah, je vous paye honneur, si vous quittez la guerre. 70 000. Bah, vas-y, paye. Parce que. Parce que je suis le seul à être resté pendant la pause, Bourdaf. J'ai dit 70 000 au dernier qui reste pendant la pause. Et puis après, j'ai pas payé. Donc, alors, faut que je fasse des paix. C'est qui? C'est quelle guerre? C'est celle-là? Non, non, mais Ah, bah vous êtes pas rentré dedans pour l'instant. Non, moi j'ai... Bah justement, paye. Non. D'accord. Techniquement, j'ai pas quitté puisque j'ai juste coupé mon micro. Mais combien il faut l'ordre teutonique pour pas rentrer dans la guerre? La discussion. Donc... 30 000. Bah, si, 30 000 bon. Vous savez que la pause va durer longtemps, hein, parce que pour cliquer jusqu'à 30 000... Comment ça se fait que le défenseur de la foi, il est vide? C'est toi qui l'avais, Venise? Ouais. Et tu l'as perdu en attaquant le pape. Tu le perds pas en attaquant le pape, normalement. Bah, en tout cas, il vient de sauter. Là. Je ne sais pas pourquoi. Il me semble que tu peux même être défenseur de la foi tout en étant excommunié, normalement. 2000. Bientôt 3000. Mais tu sais qu'avec les touches Shift et Contrôle, tu peux augmenter la vitesse. 100%, ouais. Ouais. Et 100%, bah c'est quand même pas rapide. Tiens-toi là. Il y a une trêve. On a une trêve et pas de casus belli. Oh là là, c'est terrible, c'est terrible. On va profiter que t'es là pour faire un. Les Scandinaves, il te faut combien, toi, pour pas rentrer dans la guerre? Bah 30 000, pourquoi pas, hein, mais. Non, non, j'ai pas besoin d'argent. Moi aussi, il me faut 30 000 pour pas rentrer dans la guerre. Il te faut 30 000 pour que tu rentres dans la guerre, puisqu'il t'a appelé. Et lui, il se dit, mais pourquoi je me suis pas allié avec le pape, ça paye mieux. Non, on va pas mentir, hein, c'est quand même Venise qui surfe sur la game. Hein. Très très bon snowball de Slan. Hein.
Ah ben, ça me surprend pas, moi. Ouais. Bah, moi, je suis quand même content parce que, étant donné que j'avais pas touché U4 depuis presque 2 ans, je suis pas si mal calé, quoi. Ah bah, disons que l'alliance avec le Teuton t'a quand même bien aidé. Les alliances, au départ, ont aidé tout le monde. Ouais, tout oui, bah, c'est sauf... sûr. Ça aurait été sauf... une partie solo, c'était sans doute pas pareil, mais... Sauf le portugais où je suis pas sûr que ça a été hyper rentable son histoire. Voilà. Non, je pense qu'il aurait fallu que je me fasse payer un peu plus cher et même comme ça, le problème c'est que ça me bouffait tout mon manpower quoi. Bon, j'ai envoyé 30 000 donc aux Scandinaves et 30 000 aux Teutons et pour pas faire de jaloux, j'envoie 30 000 aussi aux Portugais. Bon, c'est bon, j'ai pas besoin des 30 000. J'ai rien d'autre à foutre dans ma guerre que de cliquer. Là, t'étais trop au fond le taf toute seule donc. Bah c'est surtout que s'ils rejoignent pas, ça va être calme. Ah, le Pays-Bas qui met quand même des grosses fessées à la France sur les mers. Hein. Et là en fait je vais m'apercevoir qu'ils ont quand même rejoint. 25 de prestige, tu rigoles quoi. Ouais, les bateaux des Pays-Bas sont pas mauvais, ouais. Après, vu que la cible de guerre est au Congo, je peux quand même faire la paix n'importe quand, quoi, même si la guerre en Europe se passe mal. Puis on arrive. Oh, merci Venise. C'est rien. Voilà, après on est obligé de passer tout autant de temps à cliquer pour qu'on sente les bâtiments. Bravo. Bel état d'esprit. Bah, je commence à avoir du mal à trouver des bâtiments, moi, pour dépenser tout ce fric. Bah, moi, du coup, j'ai terminé ma manufacture, là. Ah mais moi elle a pas encore popé chez moi donc je peux pas claquer les thunes dedans. Non, les constructions de manufacture, je voulais dire. Ah. Ouf. Ah oui, c'est vrai que toi t'es... À part en Europe t'as que des... À part en Europe t'as que des colonies donc tu les développes pas, ouais. Non, notre héritier il est nul. Non, faut qu'il saute direct. Hop. Voilà, l'empereur Éric I, le machiavélique, monte sur le trône. Tadam ! Avec une impératrice consort malhonnête. Oh, ils vont faire une bonne équipe, ceux-là. T'es honnête, toi ? Non, et toi ? Non plus. Et si on faisait des bébés ? Et si on faisait un héritier malhonnête ? C'est pas de la triche ? Non, non. Pas très honnête, mais... La France est super... Il sera en France, baf, tu seras en France, j'aurais dit qu'ils étaient à Courbevoie. Ah bah bravo. À le Valois-Perret. À le Valois, pardon. Oui, oui. Plutôt, ouais. À le Valois, ouais. Hop. Hop, on va faire ça comme ça. Du coup, on peut investir là-dedans. Ouais, la France se prend des baffes pour le moment, mais elle a pas sa grosse troupe. Une grosse partie de ses troupes était en Afrique, on arrive. Elle se prend des baffes, mais c'est parce qu'elle a pas de chance. J'ai 27% de score de guerre, de toute façon, dans cette guerre-là. Oh bah oui, on peut largement commencer à travailler là-dessus. Donc, le Teuton, comme je te disais, dans la prochaine mission, je dois prendre Brégance et Intat. Brégance et Intal. Oui. Sûr. Ah, c'est certain, oui. Mais ça fait chier, ça. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Je les aurais pas pris. Mais je te l'ai dit, l'Autriche, c'est ma mission. Oui, mais je pensais plus à la vraie Autriche, pas le Tyrol. Mais c'est pas grave, on va considérer que je les ai achetés. Bah, on va pouvoir dire ça, oui. Ou pas, hein. Si tu veux plus d'argent, je t'envoie plus d'argent après, hein, j'avoue. Non, pas dur, hein. C'est intéressant, plus d'argent. J'ai fait 10 000 depuis que je vous ai envoyé les trucs. Bah du coup, attends, on va arrêter ça tout de suite. Mais tu pourras peut-être pas me les donner tout de suite. Ah bah faut que tu sois en paix de toute façon. Voilà, donc... Et puis en plus, je sais pas si tu pourras me les donner si je suis pas voisin et... Bah il va falloir qu'on soit voisin, ouais, je vais pas pouvoir te les céder sinon. Donc il faut que j'attaque 30.
Ça va envoyer contre qui? Toscane. Et... Oh, Toscane. Ben voilà. J'ai pas de casus belli sur 30. Oh. Ah si, j'en aurai à la fin de la guerre contre Milan, donc c'est pas du tout ce qui m'intéresse. 61, putain, c'est long. Non, est-ce que je fais au corps des sous ou pas? Pourquoi je fais 1250? J'ai plus d'armée? Ah, je suis passé à 2100 de bénéf par mois. Et est-ce que tu auras besoin de constance aussi? Alors, normalement, non. Normalement, c'est la partie autrichienne, en fait. Ouais, t'as vraiment juste besoin de la province du Tyrol, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, fait chier. Bah, t'arrives à passer. Oui, mais fait chier quand même, parce que je les ai légitimés. Ah, je te paierai double. Et t'as besoin de taper des trucs en Suisse ou pas? Non. Parfait. Je crois pas, hein. Parce qu'il y a de l'hérétique à aller savater. Que je regarde, est-ce qu'il y a des indépendantistes qui feraient chier côté... Alors non, vu que maintenant j'ai tout légitimé, il n'y a plus personne. Il n'y a que des indépendantistes à Memmingen. Très bien. Donc, pendant que vous vous ennuyez en Europe, moi je vais aller voir ce qui se passe à l'Est. Ah mais j'ai pas fait de guerre contre Nitra, Aix-la-Chapelle et Suisse. Je ferai après. C'est la vie. On va le laisser. Là je dois sortir qui là? Bologne d'abord, et État Pontifico. Ça, ah, oui. Ouais, dès qu'il dégage, on avance. Ah, mais là j'ai pas siégé Bologne moi. Faudrait que j'envoie quelqu'un. Offre de paix de la part Milan. J'aurais pas ton offre de paix. Ce que je voudrais, c'est un casus belli sur 30. Peut-être qu'on va s'arrêter là. Bah peut-être qu'on va s'arrêter oui, là. Oui. Effectivement, tu as raison. Okay. Il serait probablement bon que nous arrêtions là. J'espère du coup que cet épisode vous aura plu avec ses nombreux rebondissements guerriers et financiers. De pièces sonnantes et... Avec tous ces bruits de pièces qui rebondissaient au fond de la bourse, hein. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, bien sûr, allez voir les vues de tout le monde sur les différentes chaînes, vous avez l'habitude maintenant. J'espère que ça vous plaît toujours et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao! À plus tout le monde! À plus! Ciao, ciao!